Et bonjour petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle VOD. Nous sommes sur une nouvelle session de stream, nous sommes le lendemain de la dernière session de stream sur Endless Space, donc tout est encore relativement frais dans la tête. Et on reprend là où on en était, en vrai de vrai, on n'a pas forcément tant de choses à faire à part passer les tours. Faudrait que peut-être je débloque je pense à Capital Chip, mais un mastodonte, voilà. Peut-être que je débloque le mastodonte, mais transformé en titan. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai transformé mes deux premiers mastodontes en forteresse. Parce que c'est la seule transformation que j'ai. Sur l'Ordiane, notre monde forteresse, et sur notre capitale, Capital Fred. Parce que la capitale, c'est la capitale. Parce que l'Ordiane, c'est l'entrée de notre branche. Donc il fallait la défendre. L'autre côté, pour l'instant, je ne contrôle pas encore l'entrée de notre branche, donc j'ai pas encore mis une forteresse parce que il faut déjà prendre le système. Mais justement, pour prendre le système, je me fais la réflexion que ça serait peut-être bien d'avoir un titan. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Attendez, que je farfouille. Je crois que c'est le titan, mais je sais plus où il est. Je crois qu'il est là. Oui, voilà, c'est ça, le titan. Le titan, qui est une modification totale de la classe mastodonte, conçue spécifiquement pour accueillir des systèmes militaires offensifs. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment histoire de faire en sorte que ton vaisseau mastodonte soit un vrai vaisseau de guerre. Parce que là, techniquement, on peut faire un mastodonte de guerre, c'est possible, mais c'est pas vraiment un vaisseau spécialisé dans la baston. Étonnamment, hein, c'est un mastodonte militaire, mais en fait, c'est pas vraiment un vaisseau militaire. Dans le sens où, en fait, le mastodonte, c'est vraiment un châssis. Il faut le voir comme ça. C'est un plan de vaisseau qui sert de manière temporaire le temps que tu l'utilises, que tu le transformes en autre chose. Je vais venir ici, on va faire la même. Je vais envoyer des sondes dans tous les sens là. Là, j'en ai envoyé pas mal. Hein. Ça va bien ouvrir la visibilité. Après, en toute franchise, je pense pas qu'il y ait de système caché ou autre par là. Ça m'étonnerait. Et on aura peut-être un, mais ça fait vachement loin de la ligne. Généralement, c'est pas aussi loin. Donc ça m'étonnerait. Après, sur un malentendu, on sait jamais. Hein, on va peut-être tomber sur un petit système qui est paumé, caché, vraiment au fin fond du trou du cul du monde. Mais j'en doute. J'en doute fort. Là, par contre, en face, on va avoir des trucs. En face, il y a forcément une hyperligne. Et il y a forcément par là des systèmes cachés. Ça m'étonnerait vraiment pas. De récents développements de votre empire ont mené à la création d'une nouvelle compagnie commerciale. Construisez son siège dans l'un de vos systèmes pour commercer avec le reste de votre empire. Oui, très bien. Horatio chouine parce qu'il galère sa race. Ok, anyway. Concrètement, hein. Ok, anyway. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Les prix augmentent sur les marchés. C'est très bien. Fred à level up. Qu'est-ce que je mets à Fred ? Je crois qu'on est arrivé au moment où j'ai plus grand chose à lui mettre en particulier. Je peux augmenter la capacité de troupes. Allez, faisons ça. Ici, ça avance très bien. On va déplacer nos flottes. On continue à déplacer nos flottes. On n'est pas encore arrivé à RNGC. Encore une fois, après, je pense pas qu'on aura grand chose. Hein. On est sur le bout de la map. De toute façon, vous le voyez ici, quand il y a des systèmes qui sont en dehors d'une constellation, ils sont pas super loin. Vous voyez qu'à peu près, il y a toujours la même distance. Donc là, ça m'étonnerait très 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 fort. Puis de toute façon, là, vous voyez, j'ai envoyé plein de sondes. On n'a rien vu. Hein. On n'a rien vu du tout. Hein. Mais ça me semblait étonnant qu'on ait des trucs par là. Hein. Ça me semblait assez étonnant. Ok. Faudrait pas qu'on fasse des vaisseaux, nous, à un moment donné, quand même. Est-ce qu'on a un système qui fait pas grand chose? Non, tout le monde fait des trucs, hein. Tout le monde fait des trucs. Tout le monde fait des trucs. Personne n'est en infini. On a eu quelques fois, deux, trois fois, pas beaucoup, hein, des systèmes qui sont mis en production infinie, mais je les ai tout de suite enlevés parce que à chaque fois, moi, j'avais des trucs à leur faire faire. Donc là, je surveille un petit peu du coin de l'œil s'il n'y a pas un système qui s'est mis en production infinie, mais en vrai, non. Je sais plus quelle est la quête aussi principale. On a une quête d'histoire. On a fini de tenir les 20 tours avec 3 lois industrielles. Donc ça a validé. Par contre, ceci dit, je sais plus du tout quelle est l'étape qu'on est censé faire. Installer au moins 6 voies commerciales actives. D'accord.
Alors en vrai, je vais pas la focus parce que je suis en train de chercher des anomalies avec une flotte, donc ça me semble pas du tout pertinent pour le coup. Tu m'emmerdes, Billy. Voilà. Tac, on vient explorer là-dedans. Bon, encore une fois, hein, j'ai pas trop d'espoir de trouver grand-chose, mais on aura lancé des sondes. On va venir où? Ouais, je peux venir par là. Allez, on va venir par ici. GNY, on va lancer quelques sondes aussi par là, mais bon, il n'y aura sûrement rien. Et après, je pense qu'on va venir sur Stregalarsen ou peut-être Sandwich, peut-être plutôt Sandwich, et envoyer des sondes par ici au-dessus. Mais pareil, je pense pas forcément qu'il y ait grand-chose. Ça m'étonnerait un peu. C'est possible hein, qu'on trouve des trucs, mais j'ai un doute. Toi, t'es là, ok. Tiens, ici, il y a une bordure d'un empire, mais je sais pas quoi. On connaît tous les empires? On connaît tous les empires? Bah, je sais pas. Ici, comment qu'on est? On est passé en neutre, mais on est en train d'augmenter notre relation avec l'académie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'augmente ma relation avec l'académie? Peut-être parce que j'ai défoncé des pirates. Potentiellement, j'ai défoncé des pirates à un moment donné. Et c'est possible que ce soit ça. C'est possible que ce soit ça. Est-ce qu'il y a un truc qui m'intéresserait? Je peux lui demander un système. Ok. Déclencher une migration, demander de la flotte. Ouais. Cérémonie académique, je sais pas ce que ça fait. Je vois pas ce que c'est censé faire. Parce que j'y ai pas accès, d'accord, très bien. Ok. Et actuellement, t'as un vote en cours. Est-ce que je veux le vote en cours? Je pense que je vais peut-être attendre et je voterai à la fin. Je vais peut-être attendre et je voterai à la fin. Enfin, voterai. Je donnerai le tribut qu'il demande à la fin, histoire de passer devant tout le monde. C'est possible que je fasse ça. Parce que je suis quelqu'un de mesquin, vous savez. Voilà, donc je vais gentiment accumuler des thunes. Et on va attendre doucement mais sûrement la fin du décompte de la demande. Et quand on sera à la fin, moi je mettrai un gros tribut. Après, je suis pas sûr en vrai. Est-ce que j'ai envie de la flotte d'Isiander, etc.? Non, je pense que je m'en bats les reins. En vrai, je pense que je m'en bats les reins. Ici, tout avance, tout se fait. On débloque notamment enfin de la science, parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas fait pendant très longtemps. On n'a pas trop axé sur la science. Du coup, en vrai, on ne produit pas exceptionnellement bien hein, en termes de science. Ça tire même beaucoup la gueule. Mais ceci dit, là, ça y est, on a lancé des productions de science un petit peu par-ci, par-là. Donc, ça va commencer doucement, mais sûrement, à produire beaucoup plus de science. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Et on voit que les coûts hein, des technologies sont en train de réduire au fur et à mesure. Ça, c'est pourquoi? Pour débloquer plus de productivité. Oui, aussi, c'est bien. Ceci dit, ça serait quand même bien peut-être de développer des sciences de science. Oui, c'est un peu superlatif comme manière de le dire, hein, mais en vrai de vrai, j'ai quasiment pas investi dans l'arbre du bas, qui est justement, dans l'arbre de recherche, la partie qui donne des recherches, qui donne des sciences. Votre alliance est proche de la victoire suprématie? Quoi? Comment ça? Attendez, je vais gagner par hasard? Mais non. Prenez le contrôle du système d'origine de toutes les factions majeures. Progression, votre alliance possède 6 systèmes d'origine de factions majeures sur les 12 nécessaires pour la galaxie. Ouais, ça va. Non mais ça va, on est encore loin. Et il manque 6 planètes majeures à prendre. Non, me dis pas, on est proche, on a fait la moitié du chemin. C'est bien, mais il y a encore la marge. Hein. J'ai eu peur là, franchement, vu le message, je me suis dit, mais non, on va pas gagner genre là dans une heure ou deux. Parce que généralement, c'est ce qui se passe. Hein. Quand il me dit, oh, au fait, bravo, tu te rapproches de la fin, généralement, je gagne juste derrière parce que je fais pas gaffe que, bah, en fait, je suis vraiment proche de la fin. Est-ce que j'ai un truc à faire? Pas spécialement. On va faire de la recherche? On va booster la recherche. Ok. Et toi, tu fais de l'infini, ce qui ne me convient pas. Toute franchise, ça ne me convient pas du tout.
Je vais faire un mastodonte. Ceci dit, je vais faire un mastodonte militaire. Est-ce que je fais un mastodonte militaire? C'est puissant, hein, cette connerie, mais... Mais est-ce que vraiment c'est transcendant? Je suis pas sûr. Ah si, quand même, ça doit être bien. Si, quand même, ça doit être bien. Allez. Derrière, on va prendre des corvettes. Je suis en train de réfléchir. La taille de mes flottes, c'est combien déjà? 14, hein, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est quoi ça? On a des grosses stations qui baladent en dessous. Je me demande si c'est pas parce que c'est un système forteresse. Attendez, admettons, venons là. Je pense que c'est parce que c'est sûrement un système fortress. Ouais, je pense que c'est parce que c'est un système fortress. Ok, donc là j'ai déplacé ce qu'il fallait où il fallait. Très bien. Réfléchissons. Est-ce que j'ai un truc à modifier? Pas particulièrement, je pense. J'ai pas encore accès au niveau 4. Ce qui est pas forcément déconnant. Je gagne pas trop de thunes. Je gagne pas trop de thunes en vrai. Une partie de moi se tâte du coup à augmenter, mais à chaque fois ça va me coûter cher. Pas forcément un gain exceptionnel. Du coup, bof. Du coup, un peu bof. Un peu bof. Un petit peu bof, ouais. Hein. On va voir ça. La flotte ici, tu t'es fait coincer, t'es chiante. Oh, et j'ai... Si, elle est là. J'ai eu peur qu'il n'y avait plus l'objectif. Parce que là, vous voyez, les objectifs sont en train d'être faits. C'est une quête coopérative, et du coup, en l'occurrence, bah, il y a des gens qui s'en occupent, quoi. Il y a des gens qui s'en occupent. On va envoyer quelques sondes par là. Voilà, on peut pas faire de mal. C'est un peu relou, d'ailleurs, parce que du coup, je pense que je vais pas beaucoup la réussir, et donc je vais pas être en prunks, hein, très clairement. La plupart des lieux à visiter pour la quête sont assez loin, malheureusement sont assez loin. Donc je pense qu'on va même peut-être pas être dans le trio de tête des gens qui ont fait la quête. Mal parti. C'est assez mal parti. Usine infinie, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce système? C'est peut-être une quête Cravers en vrai qui donne ça. C'est peut-être une quête Cravers qui donne ça. Une situation mineure qui a été découverte au loin, franchement, Osef. Là, on perd rien. Là, on perd rien. Là, on perd rien. Parce que t'as fini de faire la succursale. D'accord. Ok. Toi ici, tu viens faire ceci. La filiale. Très clairement, ça va être bien. Quelqu'un a level up, Lordiane a level up, Lordiane a level up, on va lui donner quoi comme strat? Ouais. Peut-être du bonheur. En vrai. Peut-être du bonheur, hein. Ou de la bouffe. De la bouffe, ça veut dire plus de gens. Plus de gens, plus de prod. Donc, on va partir plutôt sur ça en vrai. On va partir plutôt sur ça. Est-ce que t'es à 14 de population? Ah non, t'es full. T'es full. C'est con. T'es full. Et t'es pas très heureux par contre. J'aurais dû mettre du bonheur chez Lordiane. C'est ma faute. Je n'ai pas regardé le système avant de mettre la perque et c'était une erreur. C'était une erreur. C'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis pour moi. Je vais t'envoyer ici. Ok. Et toi, tu t'es fait encore arrêter. Viens là. Décidément. Les gens sont relous. Les gens sont relous. Hop. En même temps, il y a des pirates. Je crois que les verts, on est en guerre. Hein. C'est qui? Les saufons. On est en guerre avec les saufons. On est en guerre avec les saufons. C'est peut-être aussi pour ça que du coup, je me fais interrompre à chaque fois de mes déplacements.
Techniquement, je suis en train de me déplacer avec une flotte en plein milieu du territoire ennemi avec qui je suis en guerre. Effectivement, peut-être qu'ils l'ont un peu mauvaise et que du coup ils sont pas super chauds patates pour que je balade comme je veux. C'est peut-être pour ça qu'ils me mettent des blocus. Ça peut faire sens. Ça peut faire sens. Allez, passage du tour, s'il vous plaît. Ok, très bien. On se fait attaquer à Bushir. Bon bah combat, hein. Pas le choix. Malheureusement pas le choix. Ici ça avance. Très bien. Ça fait des trucs. On va faire déplacer les flottes. On a découvert un trou noir. Je sais pas où, mais on a découvert un trou noir. Ah, on a récupéré des vaisseaux et on s'est fait attaquer derrière. PTDR. Et ben voilà, les gens ont réussi. Doria, le Lumiris a fait la quête solo. Et TDR. Et bah tant pis. Le Photo Ruiner est en cavale, traqué sérieusement pour la première fois grâce aux efforts conjoints de tous les empires de la galaxie. Un seul empire, mais c'est presque pareil. S'il a de moins en moins de cachettes à sa disposition, il possède un très bon vaisseau pour se réfugier. Une coque de héros volé améliorée avec des technologies pirates et quelques accélérateurs de flux Mavros. Son yacht est aussi difficile à saisir que son propriétaire. La chasse s'engage. Trouver et capturer le Photo Ruiner sur son yacht personnel, un petit bijou volé à l'académie. Je veux que ça soit la quête active, s'il vous plaît. Apparemment, il s'en bat les reins. Très bien. Bon, ici, rapport de combat aux F. Du coup, ça, on le vire. Il veut pas me mettre l'autre en quête principale. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il a instant U. Oh, il a dû l'avoir instant. Je pense qu'il l'a instant U. Parce que vous voyez, elle est en raté. Elle est en raté. Donc je pense que quelqu'un l'a instant chopé. Genre, il est apparu et il a dû se faire défoncer direct. Ah, ça me dégoûte. Tant pis. Sossad, que voulez-vous ? Ce sont des choses qui arrivent. Je vais peut-être ramener ma flotte sur Fred. On va changer des choses dans la flotte. Parce que j'ai un peu de la merde là-dedans. D'ailleurs, j'ai pas chopé la bonne flotte. C'était les vaisseaux pirates récupérés. Bon, bah tant pis. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, je les vendrais de toute façon. Les vaisseaux qui sont pas à moi, j'en m'en bats les reins. Pour une simple raison, c'est qu'ils ont pas les nacelles d'abordage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les nacelles d'abordage. Franchement, les vaisseaux chopés comme ça, généralement, c'est des plans qui sont pas spécialement à ma convenance, qui n'ont pas les nacelles d'abordage. Donc, grosse flemme. Quête solo, commencer, faire ou ne pas faire ? Les Sowers suivent un impératif ancestral, sans question, sans discussion, sans dissension. Création des anglaises virtuelles, leur rôle est de transformer les planètes en lieux terraformés et alimentés, où des entités désincarnées pourraient venir étudier à volonté. Ils suivent ce programme fidèlement, depuis des millénaires, bien longtemps après que l'extinction des anglaises était devenue indubitable, jusqu'à aujourd'hui. Une mutation binaire dans un ordinateur organique a activé le bit fatal, le bit qu'il n'aurait jamais fallu activer. Et soudain, les Sowers s'éveillent, et se demande. Mais devons-nous ? Bonjour Jean-Mi, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, en tout cas aussi bien que possible. Les Sowers se demandent si ils doivent continuer à faire des trucs pour des Endless alors que les Endless n'existent plus, ou pas. La découverte peut être douloureuse. Les Sowers doivent croire qu'ils sont spéciaux et appartiennent à un milieu unique. Les Sowers ne désirent pas changer, ils continueront d'être des citoyens utiles si vous leur montrez votre soutien. Oh, j'aime bien l'idée d'une quête spéciale. J'ai bien envie de la quête spéciale en vrai. 50% de chance de déclencher une quête spéciale et il faudrait transformer une planète stérile dans la capitale de Fred en un autre type de monde. Ça m'intéresse bien, on va faire ça. Allez,
parce que je suis intéressé par l'idée. Je suis intéressé par l'idée. Hop. Et bah GG pour la mort du moustique tigre. Nique les moustiques tigres. Quel enfer sur 20. Quel enfer sur 20. Comment vas-tu, Janvie, du coup? Les sauveurs, c'est bien pour contrer l'épuisement des planètes pour les Cravers. Complètement. Complètement. Après, je suis pas parti pour récupérer les planètes des Cravers. Hein, je vous avoue que je les ai regardées. Je me suis dit, très bien. Osef. On n'est pas en guerre contre LE, donc je pense que je vais en avoir rien à péter. On est où? On est chez Nambibi. Je vais refaire des vaisseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je crois que c'est 14 normalement la taille de mes flottes. Et Enyotna, tu es coincé Enyotna parce que t'as pas les ressources. Tu n'as pas les ressources, tu les auras dans un tour. Je vais refaire un centre comme ça, en vrai. Ça peut pas faire de mal. Ça servira toujours, ça servira toujours. Ça va bien et toi? Bah ça va, tranquille, comme un mardi. J'entends qu'il y a un chat qui est en train de s'exciter dans le fond. Je crois qu'il y a Brindy qui est en train de chasser une bestiole. Je ne sais pas si c'est une réussite. Parce que j'entends des petits bruits, notamment contre une baie vitrée. Donc j'aurais tendance à croire que ce n'est peut-être pas une réussite. On va lancer des petites sondes d'exploration. Voilà. Bon, ils n'auront peut-être pas la portée, mais on va voir, on va tester. On a des forces d'invasion là-dessus? Non, 420 c'est pourri. 420 c'est pourri. C'est nul à chier. Ouais, je peux essayer de l'envahir lui. Je peux commencer quand même à l'envahir même si c'est des vaisseaux d'exploration. Allez, on va faire ça. On va aller sur Carius, on va commencer à essayer de baisser son score. Ça peut pas faire de mal. Toujours ça de prix. Parce qu'il faudra récupérer ses planètes quand même. Par contre, on n'a plus de musique. Pourquoi? Pourquoi Jean-Michel? Pourquoi nous n'avons plus de musique? Durée de l'intervalle à 0. On est puni de musique. Et... Non mais vraiment, on n'est plus ni de musique. Le jeu a décidé qu'on n'avait plus de musique. Bon bah voilà, très bien. Sandwich à level up. Sandwich, on va te mettre de l'industrie. Toujours plus d'industrie. C'est quoi ça, tiens? Oh bah plus d'industrie. Ah oh, oui, bah oui, oui, oui. Bonjour, oui, oui. Bonjour Feloutier. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. En tout cas aussi bien que possible en cette belle journée. Starblind à level up. Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as pu rattraper un petit peu tes lectures? Ici, qu'est-ce qu'on a? Sandwich ne sait pas quoi faire. Pourtant, il y a des trucs à faire sur Sandwich. On va faire de la bouffe. En vrai. Ah, ça y est, la musique revient. Le retour de la musique. Strega. Tu peux pas coloniser les planètes froides. C'est dommage. Dommage. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais? On va faire des bâtiments de recherche. T'es pas super la joie, donc on va peut-être mettre aussi un peu de bonheur. Et en vrai, on va aussi renforcer nos troupes. Pas faire de mal. Très bien. Et nous avons enfin Starblind, qui est globalement plutôt heureux. On va quand même rajouter un bâtiment de bonheur. Et pour l'instant, je peux pas faire la fondation du bien-être, qui coûterait malheureusement des ressources que je n'ai pas. Ok, très bien. J'ai commencé à lire le cycle de Sif hier, il y a un personnage qui s'appelle Brindy. Oui, en effet, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ça fait très bizarre quand tu bookines, parce que c'est vrai que t'es là en mode, mais, qu'est-ce que? Comment ça? Eh ben oui, ici, on s'est fait choper, malheureusement, avant qu'on ne puisse y arriver. Tant pis, c'est pas grave. J'envoie là. Ok. Toi, pourquoi tu me dis que... Ah, parce qu'il y a un petit vaisseau. Salut. On va piquer le vaisseau. On va piquer le vaisseau fantôme.
Hop, je te vois, petit fantôme. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas invisible. J'ai pas réussi à le voler parce qu'il s'est barré. Tra. Saleté, là. Il a fui. Il a fui le combat. Je n'aime pas ça. Je ne trouve pas ça très aimable de sa part. J'avais les mains occupées à manger une grosse banane. Je ne dirai pas celle de qui, ce serait bizarre. J'espère qu'elle était bonne, ceci dit. Nous avons une matériau ultra résistant qui va être fini, ça c'est bien. Ça nous booster un petit peu encore plus nos incroyables industries. Parfait, j'aime beaucoup. On n'a jamais assez d'industrie de façon. Jamais, jamais. Nouvelle compagnie commerciale créée, ça c'est pas mal. Propos hors contexte, absolument et totalement hors contexte. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Alors là par contre, tant qu'on n'arrive pas à récupérer la capitale, il va falloir faire gaffe. Il faut absolument pas que quelqu'un fasse une compagnie commerciale parce que je voudrais la poser sur Shaddai. Ce qui veut dire que je dois envahir Shaddai, bonjour. Évidemment. C'est moi, c'est évidemment. Et bonjour Anemone, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, en tout cas aussi bien que possible en cette belle journée. Et que le taf, bah, c'est pas trop la merde. Hop, continue à passer les tours. Toujours des propos hors contexte, mais c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as fait ? Sombwitch ne sait pas quoi faire. Pourtant, il y a des trucs à faire sur Sombwitch. Sombwitch ne sait pas quoi faire. Pourtant, je vais l'envoyer à Sombwitch. Je vais l'envoyer à Sombwitch. Écoutez, il faut accepter. T'as tag Sombwitch ? Parfait. Tu l'as déjà fait ? Bon bah, alors je n'ai rien à faire. Tu t'en es déjà occupé, c'est incroyable. Fais l'outier, elle est au top. Et ça, c'est beau. Ok. On va débloquer des choses de recherche, enfin. Oh, on va débloquer des bâtiments de recherche. Eh, dis donc, c'est pas mal ça. Oh, le développement niveau 4. Oh, le développement niveau 4. Le développement niveau 4, c'est quand même pas mal. Aujourd'hui, ils nous embêtent pour qu'on pose nos 10 jours avant le 31 octobre. Mais qu'ils aillent se faire mettre aussi. Qu'est-ce qu'on va vouloir mettre ? Parce que je produis pas beaucoup de ressources. On produit pas de transliane, c'est quand même assez triste. Parce que j'aurais espéré quand même qu'on récupère la transliane. Mais je sais pas où est-ce qu'elle est la transliane. Je sais pas où est-ce qu'elle est produite. Qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux expulser les intrus? Les flottes ne font que passer, va te faire voir. Voilà. Oh, j'ai volé des systèmes. oui, t'es pas content, je m'en fous. La transliane. Alors, cherchons. Est-ce qu'elle est au nord? A priori, non, c'est des arbres brumicilieux. Ce qui est bien aussi, ceci dit. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Non, a priori, elle n'est pas au-dessus. Peut-être en dessous? Avec un peu de chance, ça c'est quoi? De l'amiantoïde. Ouais, baléarin. Baléarin un peu beaucoup. Où est la transliane? Parce qu'elle doit bien être produite pas super loin, hein, pour qu'on ait la proposition. Oh, de l'encens Eden qui permet de produire justement de l'influence. Oui, oui. C'est la moussine. Oh, la transliane est ici. Oh, la transliane est super loin. Oh, la transliane est super loin. C'est un problème. C'est un problème que la transliane soit super loin parce que du coup, il y a peu de chances que je la récupère en dehors du commerce. Ça va être infernal.
Le gigalassi est pas super loin a priori, parce que là vous êtes des gros cons, mais que je vais défoncer. Donc il y a peut-être moyen. Oh, gigalassi aussi qui est là. Et là il y en a aussi. Ah oui, il y a de la Transliane qui est juste ici sur Placidus. Ouais. Ouais. Ah, là aussi. Sur Régulus. Tiens, c'est quoi ça? De l'hydromiel. Pourquoi pas? Ah, je pense que ici, il y a sûrement le cœur ombral. Ça, je pense que c'est le cœur ombral qui est planqué là. Ça serait bien de récupérer du gigalassi quand même. Ça serait bien de venir récupérer du gigalassi, mais ça fait loin. Ça fait super loin. Et en toute franchise, je pense que notre prochaine cible, ça va être probablement de venir s'attaquer aux Cravers. Je pense que ça va être venir s'occuper des Cravers. Donc on va pas partir de ce côté-là. Au pire, je pourrais mettre de l'arbre brumicilleux, mais je pense qu'on va s'en battre les reins. Cette branche pas colonisée, c'est suspect. Ah, mais ça, c'est le cœur ombral. C'est le cœur ombral. Fred à level up. Hop. Ici, on s'en tape. Très bien. Du coup, qu'est-ce que je mets pour passer au niveau 4? Des super patates, c'est toujours bien. Là, malheureusement, tout ça, je le produis pas. Le gigalassi, ça aurait été incroyable, mais tout est un peu loin. Donc non. On va faire avec ce qu'on a sous la main. Je pense qu'on va faire probablement des paillettes noires. Ça va augmenter notre capacité à faire des troupes et donc à résister aux assauts, tout ça. Et là, on a la mousseline qui permet d'augmenter la valeur commerciale du système par rapport à l'influence qu'on y produit. Donc je me dis que c'est pas trop mal. Ce matériau est la soie de traction d'une petite araignée industrieuse, l'Aramidus Kumadei, possédant de nombreuses utilisations pratiques. En général, le produit fini doit être fabriqué près de la source car le temps et le transport peuvent fragiliser la soie. Effet dans une amélioration de système de développement, plus 100% la valeur commerciale du système à l'influence. Ouais, je pense qu'on va mettre ça. Je pense qu'on va mettre de la mousseline. Parce que le truc, c'est que je vais partir vers le nord. Donc, c'est bête de prendre des ressources dont le seul moyen dont je pourrais me les procurer, ce sera en fait d'aller ici sur le marché pour les acheter à chaque fois. Les prix vont grimper comme l'enfer et ça va juste me mettre dans le mal en fait. Ce qui serait un peu dommage. Et ici, on va commencer à booster notre production de pognon qui pour l'instant est assez limitée. En vérité, malheureusement assez limité, mais bon, ça va monter au fur et à mesure. Là, on a quoi? Ça, déjà, je peux vous vendre parce que je m'en fous. Et vous, je vous ramène sur la capitale Fred. Ok, là, nous avons un vaisseau de guerre que très gentiment on va venir amener là et nettoyer parce qu'il y a un petit vaisseau de Lumeris qui est là. Salut. En fait, non. En fait, cassez-vous. Voilà. D'habitude, les entreprises embêtent pas pour qu'on ne pose pas de congés du tout. Alors, il y a des obligations à poser certains congés. Du coup, forcément, ils vont t'emmerder pour que tu poses ces fameux congés-là, parce que ça les emmerde, qu'ils ont l'obligation légale que tu prennes des congés. Mais, par contre, du coup, ils vont vouloir que tu les poses au moment où eux, ça les arrange. Ce qui est de la merde, hein, qu'on soit d'accord. Bien pourri, bien pourri, parce que bah évidemment ils veulent s'arranger hein, eux, et ils en ont un peu rien à péter de toi, tes besoins, tes envies, etc. C'est ça qui est toujours chiant en entreprise. Enfin en entreprise ça dépend, hein. Il y a certaines qui heureusement se comportent un peu mieux, bon t'en as certaines qui se comportent bien moins bien que ça, mais bon. Puis il y a celles qui font des trucs illégaux aussi accessoirement, mais ça c'est encore autre chose. Par exemple, il y avait une entreprise où j'étais passé il y a quelques années, alors c'était quand j'étais en conseil externe, qui avait une philosophie vraiment très rigolote, on va dire, ironiquement parlant. Hein.
C'était vraiment de la merde. Ils avaient la philosophie de dire, bah, quand le magasin est fermé, il faut quand même que vous posiez des congés. Ce qui est illégal, parce que si la boîte est fermée, la boîte est fermée. C'est pas aux gens de poser des congés parce que la boîte est fermée. Voilà, voilà. Notamment, ils considéraient que les 2 heures où le magasin était fermé, entre midi et 2, en fait, donc le moment où les gens vont manger, tout ça, le magasin est fermé, hein. Il n'y a pas de travailleuse dedans parce que le magasin est fermé, et ben ils considèrent que c'est une pause. Et du coup, ils considéraient que le reste de la journée, tu n'avais pas à prendre de pause, parce que du coup, tu as pris une pause le midi. Alors qu'en fait, c'est parce que l'entreprise est fermée, ce qui du coup est illégal, hein, qu'on soit d'accord. Ça n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. C'est... non. Donc c'est toujours des choses assez incroyables qu'on observe parfois dans le monde des entreprises. Qu'est-ce que je vais mettre? Je pense qu'on va mettre des thunes. On va mettre un pourcentage de thunes. Pas mal. Ici, oxylate. Oxylate. Niveau bonheur, ça tire la gueule. On va rajouter du bonheur. Sandwich. Niveau bonheur, c'est un peu mieux, mais je n'ai pas les ressources qu'il faut malheureusement pour mettre un autre boost, donc non. On va mettre ça. En attendant, on va mettre ça. Écoutez. Et bonjour Oxylate. Bien le bonheur, hein. C'est toujours bien. Bah oui, oui. Perso, j'ai posé 2 jours de congé avant la fermeture de Noël. C'était considéré comme inacceptable. Je n'avais plus le droit de poser des congés. What the fuck? Les bandes de connards. Non, non, il y a des trucs qu'ils ont absolument pas le droit de faire, mais ils prennent quand même. Comment dire, le droit de le faire, alors que ils n'ont pas le droit, hein, factuellement. Il y a plein de moments où les entreprises font des trucs illégaux, hein, et profitent du fait que les gens ne connaissent pas leurs droits, en fait. Très très clairement, ils font ça, en fait. Dans la grande distribution, notamment, c'est très souvent le cas qu'il y a des abus assez phénoménaux en termes de droit du travail. Mais parce que, justement, le principe, c'est que bah, tu sais pas. Tu sais pas ce que t'as le droit, tu sais pas ce que t'as pas le droit. Tu sais pas ce que l'entreprise a le droit, ce que l'entreprise n'a pas le droit. Et du coup, bah, les gens se font avoir, tout simplement. Malheureusement. Ok, on va continuer. On envahit comment, ici? Ouais, petit à petit, hein, c'est pas exceptionnel. On va rajouter des vaisseaux de façon d'attaque, des vaisseaux un peu d'invasion. J'en ai lancé en prod à certains endroits. Ça devrait aider, ça devrait aider. Par exemple, poser tous ces congés, c'était interdit. Mais ils ont rien à te dire. Ils ont rien à te dire. Normalement, tu poses tes congés comme tu veux. Alors c'est sûr que tu as le droit de discuter avec eux et de dire oui, bon là ça vous arrange pas, bon bah je peux ne pas poser ce jour-là, etc. Effectivement. Mais normalement, tu poses tes congés comme tu veux, et à moins que ça apporte préjudice au fonctionnement de l'entreprise, dans le sens où si tout le monde pose ses congés en même temps, l'entreprise peut pas marcher parce que tout le monde a posé ses congés, ils ont pas le droit de te dire non, en fait. Il y a que à partir du moment où ça va poser problème au fonctionnement normal de l'entreprise qu'ils ont le droit de dire attendez, là il va falloir qu'on s'arrange. Mais le truc c'est qu'il faut pas non plus qu'ils refusent le truc, il faut qu'ils s'arrangent en fonction des différentes personnes qui doivent poser leurs congés, etc. On a débloqué de la recherche, et ça c'est bien, ça c'est bien. Déjà qu'ils ont refusé mon congé maladie, pardon. Ça, pareil, ça aussi, c'est illégal. Tu n'as pas le droit de refuser un congé maladie. Tu ne peux pas refuser un congé maladie. C'est pas possible. Enfin, légalement, hein, ils n'ont pas le droit. La capacité de réaction d'un empire est proportionnelle à son volume de production. Si l'on peut produire rapidement, l'on peut frapper, défendre ou prévoir aisément. Les empires plus lents à produire et donc à réagir sont fatalement pris au dépourvu. Gagnez cet avantage et profitez de ses bienfaits. Produisez le plus d'industrie dans la galaxie. D'ici 40 tours, possédez le système produisant le plus d'industrie de la galaxie. Je pense qu'on est bien parti pour. Je pense qu'on est bien parti pour. Ok, Starblind. On va faire de la recherche. Ou de l'industrie. On va faire les deux. On va faire les deux. Pourquoi choisir ? Après, ils admettaient ouvertement ne pas respecter la loi. Ah ouais, ouais, bah, je te confirme que oui. Vu ce que tu m'en dis, oui, oui. C'est oui. En effet, en effet. En même temps, ça serait difficile de dire qu'ils respectaient la loi, là. Hein. Cela aurait été un peu compliqué. Putain, le vaisseau qui passe en invisible toutes les 5 secondes, tu me saoules. Hop là, je te vois, Coco. Je te vois, le fantôme. Oh. Allez, il a fui. Pas très étonnant.
surprise mais pas surprise. Ça tire un peu la gueule ici. On ne produit pas assez d'influence. On ne produit pas assez d'influence. Et c'est un problème. Et c'est un problème. En même temps, il me faudrait des super patates en plus pour booster un petit peu ici, je pense. Ok. Allez, on va continuer. On va continuer à booster. Mais à Maëlys, c'est un peu limite. Malheureusement, là, l'influence est plus forte du côté de Shaddai. Ce qui n'est pas forcément super étonnant, hein, ceci dit. Donc il va falloir essayer de trouver comment booster ici la production d'influence. Il va falloir essayer de trouver comment booster la production d'influence. On a sûrement des blocus par contre, parce que ici il y a des systèmes ennemis sur le chemin de la succursale. Mais bon. La richesse et les matières premières affluent dans vos systèmes et alimentent vos centres industriels. L'identité de l'Empire en tant que United Empire n'a jamais été aussi forte. C'est un digne héritage pour votre règne. Vous devez à présent vous concentrer sur une passation de pouvoir douce avec Starblind. Installez au moins 6 voies commerciales actives. Réutiliser et recycler plus 10% de production d'industrie dans tous les systèmes. Ça c'est bien. Et conserver votre culture de United Empire, donc on reste l'Empire Uni, on ne change pas en Sheridine ou autre chose. Quête solo commencée, le chapitre 4, le jour qui ne vient jamais. C'était plus fort que vous, n'est-ce pas? À présent que les apparatchiks gèrent l'essentiel de votre empire, vous avez de plus en plus de temps libre. En profitez-vous pour admirer ce monde que vous avez façonné? Non, bien sûr que non. Vous vous appesantissez sur le passé. Vous ressassez votre honte et votre colère. Qui m'a trahi? Qui m'a trahi? Cela devient une litanie murmurée à demi-mot qui envahit vos pensées, vous tourmente. Vous parcourez les anciennes retranscriptions pour y chercher de nouveaux indices sur l'identité du traître. De son côté, Starblind commence à se languir du pouvoir, vous presse de renoncer à cette tâche stérile. Mais alors, miraculeusement, vous trouvez ce que personne d'autre n'avait remarqué. Un mot unique, qui suffit à défaire toute cette tapisserie de mensonges. Vous avez trouvé le chantier naval, celui où le vaisseau de colonisation du traître a été construit. Il y a plusieurs continents de là, au milieu d'un vaste paysage vide, mais... Oubliez le passé, vous presse Starblind. Cérémonie d'abdication est dans quelques jours. Votre abdication. Le couronnement. Vous n'avez pas le cœur de lui dire qu'il n'y aura pas d'abdication. Personne ne peut diriger l'unité d'Empire comme vous. Vous resterez empereur jusqu'à votre dernier souffle. La seule question est de savoir si vous devez vous présenter en personne pour annoncer que vous ne renoncerez pas à votre poste. Ou vaut-il mieux rater la cérémonie pour explorer cette nouvelle piste et laisser Stormblind annoncer votre décision? Assistez. Le peuple mérite de l'apprendre de votre bouche. Pour que tout se déroule comme prévu, un héros suffisamment expérimenté devrait prendre le contrôle du système. Le chantier naval peut bien attendre quelques jours. Affectez un héros de niveau 20, au moins, dans le système de Lordiane. Wow. Ou alors, enquêtez. Vous ne pouvez pas renoncer à cette occasion d'apprendre la vérité. Vous laisserez Starblind annoncer qu'il n'y aura pas d'abdication et vous resterez empereur. Ce sera une expérience cuisante, mais aussi une leçon bénéfique. De votre côté, vous explorerez le chantier naval perdu. Fouillez la curiosité de quête sur la planète de Lordiane 2, une fois que vous aurez rassemblé 30 unités d'adamantium. Non, on va quand même soutenir Starblind. Ça serait un peu honteux de la forcer à annoncer, elle, que finalement elle ne montera pas sur le trône. Tout ça. Non, on va y aller. Il va falloir avoir un héros de niveau 20. Je sais pas du tout de quel niveau il est actuellement, le personnage de Lordiane. Il est 12. On a le temps de voir venir. Ici, 45 000. Je pense qu'on va dire qu'on s'en fout. Je pense qu'on va s'en foutre. J'ai pas spécialement besoin de la flotte de Jean Billy, donc je vais laisser passer ça. On va dire qu'on s'en bat les reins. Donc le choix a été fait ici, très bien. Nous avons des constructions qui se font un peu partout, très bien. Nous avons un sondage qui dit que le parti militariste est en tête. Ah. C'est peut-être pas ce que je veux, en vrai. Il y a encore un vaisseau en fufu.
crois qu'il y a encore un vaisseau en fufu. Non mais... ils sont relous avec leur vaisseau en fufu. Ils sont très chiants. Ils sont très 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 chiants. En fait, le truc qui est chiant avec les vaisseaux en fufu, c'est qu'ils restent pas en fufu. C'est qu'ils passent un coup en furtif, un coup en visible. Et du coup, ça fait que mes flottes à chaque fois sont en alerte. Mais en vrai, moi j'aimerais juste qu'ils se mettent en furtivité, qu'ils restent en furtivité, et puis basta. Le fait qu'ils switchent un peu toutes les 5 secondes entre furtif, pas furtif, furtif, pas furtif, c'est super relou. En vrai, c'est super relou. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Nouvelle technologie débloquée, ça c'est bien. On va pouvoir commencer à débloquer la terraformation. Yes, ça c'est bien. Eniotna ne sait pas quoi faire. Eniotna, c'est plutôt heureux sur sa planète, donc ça va. Je vais mettre de la recherche en plus. On a toujours besoin de recherche. Toujours. Toujours. Ok, on fait déplacer des vaisseaux. On a notre mastodonte notamment ici qui s'approche, qui vient de passer justement le système de Eniotna. Parfait. Nous avons des nouvelles planètes que nous pouvons coloniser. Et oui. Yay. Hop. Est-ce que par là aussi? Non, pas encore. Dommage. Orden, tu vas pouvoir coloniser à balle. C'est très bien. C'est très bien. Ici, tout va bien. Octoven peut coloniser ici. Hop, et étudier au passage. Et tout le reste est récupéré. Par contre, là, on a une exploration du sous-sol. Eh ben, go. Ok, très bien. Je l'ai vu l'espace d'un instant. Putain. Je l'ai vu l'espace d'un instant, ça me fume. Voilà, coucou. Je te vois, Billy. Ah, j'ai jamais changé ici la carte. Faudrait que je change la carte. On est toujours avec la tortue, alors qu'en vrai, c'est pas forcément celle que je veux. Je crois qu'il y en a d'autres qui m'intéressent plus dans les stratégies de baston. Ok. On passe. Allez. On passe. Dans deux tours, donc dans un après celui-là, on va pouvoir commencer à terraformer aussi des planètes. On va pouvoir commencer à changer un peu le type de planètes sur lesquelles on est. Et franchement, ça va être très bien. Parce que là, il y a plein de planètes qui nous apportent des malus de bonheur, parce que justement, c'est des planètes qui sont pourries, hein, concrètement, des planètes où il est fait pas bon vivre, pour ainsi dire. Et là, on va pouvoir commencer à les modifier, et en faire justement quelque chose qui va être un peu plus utile et sympa. Hop, nouveau bonus d'accumulation disponible pour les vestiges, très bien. Ok. Sandwich à level up. Sandwich, j'aimerais que tu produises de l'influence. C'est ce qui serait bien. Mais je pense pas que t'as grand chose pour l'influence, malheureusement. Non. Donc on va mettre de l'industrie. Dans le doute, industrie. Là, regardons un peu ce qu'on a. Sandwich, bah justement, tu sais pas quoi faire. Tu vas faire de la science. Et niveau bonheur. Niveau bonheur, ça tire la gueule. On va mettre du bonheur aussi. Ça sera bien. Hop. Tout le monde fait des trucs. Le marché, je m'en bats les reins pour l'instant. Donc, Osef. Hein. Concrètement, il me dit des trucs, mais je suis là en mode, oui, si tu veux. Si tu veux. Fais des choses, le marché. Fais des choses. Là... encore une fois, il a une flotte, mais cette fois-ci, on pense à changer. Puissance vers les boucliers, peut-être pas. Prendre des trophées, c'est très bien. Ou larguer des capsules. Oui, larguer des capsules. Et récupérer un max de bonus sur le fait de piquer les vaisseaux, ça me semble très bien. Et il a battu en retraite. Chiantos. Vraiment chiantos. Ceci dit, comme ça fait un bon moment qu'on est là, même si c'est à coup de 28, chaque tour, on est en train de réduire son stock de population. C'est bien. C'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Un truc aussi qui peut vous sembler contre-intuitif, on est en négatif de brume, on est à moins 542 de brume par tour. Du coup on pourrait se dire, mais économiquement c'est la merde, non? Pourtant, si vous le remarquez, mon stock de pognon monte, constamment. C'est normal, parce que j'ai le bureau des douanes galactiques, donc toute personne qui fait des achats sur la galaxie me reverse 25%. Du coup le pognon monte, constamment. Constamment. Ça c'est pas mal.
Ça, en vrai, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Je l'ai mis où? Ouais. Toi, je vais t'envoyer loin, loin, loin. Parce que j'en veux pas tout de suite, en fait. J'en veux pas du tout tout de suite. S'il augmente maintenant la quantité de succursales, ça va plus me mettre dans l'emmerde qu'autre chose. Voilà, on va commencer à faire des plans militaires aussi, ça c'est bien. C'est bien. Ça aussi, ce serait pas mal à faire. Ok. C'est quoi là qu'on débloque? Ah, des classes de vaisseaux. Oui, c'est une bonne chose. C'est vrai que des classes de vaisseaux, bah on est un peu limité pour l'instant. Donc on va commencer à débloquer des vaisseaux un peu vénères. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout. Là, tout le monde fait des trucs. C'est très bien. J'apprécie. Et bah on passe. En vrai, on passe. On laisse tourner les tours. Hein. Pour l'instant, on n'a pas forcément grand chose à faire parce qu'on est en train d'envahir. Et surtout, je suis en train de faire les vaisseaux. Voilà, les vaisseaux que j'ai besoin un peu partout, ils sont en cours de prod. Donc, grosso merdo, à part attendre que les vaisseaux se fassent. On n'est pas pressé, quoi. On n'est concrètement pas pressé. Amaelis me stresse un peu, quand même. Hein. Je vous avoue que le système, il n'est pas exceptionnellement bien parce qu'il produit pas assez d'influence. Et bonjour, Brindille. Et alors, ça va, ma fille? Oui. Oh, ma belle fifi. C'est ma fifi qui est venue me faire un coucou. Oh là 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 là. Moi, tu es belle. Attendez. Je vais vous mettre vers la visibilité, Brindille. Vous avez besoin d'une brindille dans votre vie. Voilà. Brindille est là. Votre âme va désormais mieux. Fred à level up. Qu'est-ce qu'on te donne, Fred? Ouais, réduction du coût, allez. C'est très bien. Vous avez vu comme elle est belle, la fifi? Est-ce que c'est pas la plus belle de toutes les brindilles que vous avez vues? Franchement, entre vous et moi. Capital Fred a fini de faire des vaisseaux. Yay! Hop. Là, on produirait un peu moins d'industrie, mais on aurait plus de bonheur. Ça me semble quand même bien. Ça me semble quand même bien. Puis de la recherche aussi. Hein. Ok. Toi... Tu es militaire, hein. T'as combien de troupes? Ah oui, un quart, c'est pas mal. Tu vas venir ici. Toi. Non, c'est toi que je veux. Toi, tu as peut-être des trucs qui... Ouais, voilà, les deux patrouilles qui sont là. Hop. Ça m'intéresse pas outre mesure. On va les démanteler pour le moment. Et on est à 8 sur 14. 8. Donc on va dire 9, 10, 11, 12, 13, 14. Écoutez, ça me semble bien. Vous avez moins de troupes, vous d'ailleurs. Tiens, c'est marrant. J'aurais pensé que c'était l'inverse. Je rajoute des couvertes en plus. Faudra faire attention à ne pas prendre les patrouilleurs. Comme ça, on aura de nouveau une flotte un peu sympa. Toi, je te répare aussi. Et on passe. Et on passe. Amaelis, j'ai pas lancé la colonisation alors qu'il y a une planète qu'on peut coloniser. Merde. Quelle erreur. Quelle erreur stratégique. Parce que là, l'influence du peuple de la faille est en train d'augmenter et ça me pose problème. Ça me pose problème. Pourquoi la caméra, elle bouge toute seule? C'est pas possible, ça. J'ai demandé de... Voilà. Mais... dans la caméra, on a rien à foutre. La caméra en a rien à foutre. Ah mais, ça me tue ça. Je tourne la caméra, et plus je tourne la caméra, plus elle tourne aussi. C'est une blague? Non mais c'est une blague en vrai. Tous les jours de ta vie, tu vas me saouler comme caméra. Vraiment. Voilà. Genre là. Là, tu bouges pas. T'es bien là, la caméra. Tu montres la brindille. La belle brindille. Voilà.
Oh ma fufille, oh là 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 là. Quête solo accomplie, voilà qui est plutôt une bonne surprise. Quelles que soient ces étranges entités, elles sont heureuses d'avoir établi le contact et répètent qu'elles viennent en paix. Et que si elles venaient à nous causer du tort, ce serait par accident. Un petit cadeau de leur technologie pourrait vous donner un aperçu de leur monde étrange. On a récupéré des vaisseaux du cœur ombral, que je vais vendre en toute franchise. J'en ai pas besoin, voilà. Ici, tout le monde fait des trucs, tout le monde fait des trucs, c'est très bien. Je vous laisse faire. L'Ordiane à level up, ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. De la bouffe. Ouais, de la bouffe pour l'instant. Allez. J'aime bien finir en fait les stats qui sont en cours, globalement en général. Toi ici, je te vends, du coup. Voilà. Toi t'es là, très bien. Toi t'es là, mais tu vas pas bouger. Toi t'es là et tu te fais emmerder. Vous êtes relou, hein. Vraiment, vous êtes relou de ouf. Cassez-vous. Laissez-moi envahir ce système en paix. Ce système sera mon système. Tôt ou tard, il tombera entre mes pattes. Je suis en train de me poser une question. On est comment niveau... Oh, on est à 15 sur 17. On est large. Comment ça se fait qu'on a augmenté notre limite? J'ai dû récupérer un système, enfin des technologies à un moment donné, j'ai pas fait gaffe, j'ai augmenté ma capacité de colonie max, ce qui est très bien, hein, ce qui est très 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 bien. Mais je vous avoue que j'ai absolument pas fait gaffe à quand. J'ai absolument pas fait gaffe à quand. Mais c'est très bien ceci dit. Moi ça me va, hein. Ça me va bien. Je crois que j'ai entendu des quêtes se résoudre. Très probablement. On a débloqué un nouveau type de vaisseau, très bien. Ah bah terraformer une planète, c'est bon. Une avalanche de production et de développement fait suite à la conviction retrouvée des Sowers. Et on a réussi à débloquer une nouvelle quête. Les Sowers sont convaincus. Ils trouveront un sens à leur existence en soutenant vos rêves d'empire pangalactique, même s'il leur est douloureux d'enterrer le rêve des Andless. Ils sont prêts à agir là où vous aurez besoin d'eux et autant en profiter. Pas seulement en partageant leurs compétences et leurs connaissances, mais aussi en les aidant à oublier leur rêve éternel d'une renaissance des Andless. La diaspora. Emmenez les Sowers dans un autre système, qu'ils partagent leurs antiques compétences et oublient leur rêve d'antan. Retirez 2 Sowers du système Amaelis pour atteindre 6 de population de Sowers. Ou alors, amenez d'autres peuples sur les planètes des Sowers pour qu'ils étudient auprès de ces étranges entités brillantes. Ajoutez 2 de population non Sowers dans le système Amaelis. Allez, on va faire développement. On va amener des gens à prendre auprès d'eux. Nous avons un sanctuaire ennemi détecté sur Koshab. Très bien, mais c'est pas des ennemis puisque c'est avec nous qu'est le nuage, le cœur ombral. Donc en fait, on enfin, nous ça nous va quoi. Sandwich à level up. Hop là, plus de prod. Toujours plus de prod. Ici, tout le monde fait des trucs. Tout le monde fait des trucs sauf Sandwich qui ne sait pas quoi faire. Mais je peux commencer à terraformer des planètes. Terraformer en désert. Terraformer en désert. Et on a un désert, mais je sais pas vers quoi aller. En fait, en termes de stats, je sais pas ce qui va me transcender le plus. Savane permettrait d'avoir plus de monde, mais... Est-ce transcendant? Je ne sais pas. On va aller vers ça pour l'instant. On va y aller doucement, niveau terraformation. On va y aller doucement pour l'instant, niveau terraformation. Hop là, on va déplacer des flottes. Hop. Ici, go.
toujours des vaisseaux qui viennent nous faire coucou, hein. Histoire de ne pas changer. Ok. Là, ça avance, très bien. Punk. Et j'ai eu un punk. Je regarderai un peu plus tard. Ok, on est bien. On est bien. On passe le tour. Alors, qui m'a envoyé quoi? Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Il se passe quoi? Les héros commencent niveau supérieur, c'est très bien. Starblind a gagné une nouvelle compétence. On va dire quoi? On va prendre ça. Si tu es au Sénat, plus 0,5% par niveau de héros sur système. Et si tu es en système, plus 2% de production par niveau de héros sur système. Écoutez, ça me semble très bien. Starblind est niveau 14, c'est quand même pas mal. Vous pouvez attaquer cet empire sur son territoire et envahir ses systèmes. On est passé de guerre froide en guerre avec Darjna, les exilés. Pourquoi? T'as attaqué qui? Comment ça se fait qu'on est en guerre avec les exilés? Est-ce que t'as rejoint une alliance? Non, même pas, t'es seul, mais t'es seul en guerre contre nous. C'est con. Ah, c'est con. C'est dommage pour toi. Sad. Ici, Sandwich ne sait pas quoi faire. Ah. On va aller vers des planètes arides, allez. Ce sera déjà un début. Et derrière, je ne sais pas encore quoi faire. Ah, les déserts sont considérés comme des planètes stériles. La vie est peut-être relativement rare sur les planètes stériles, mais cette absence d'organismes leur permet d'éviter les ravages du temps. Les veines de brume inexploitées sont donc abondantes, ce qui en fait des riches sources de brume. Ok. Ok. Nous, on va partir sur des planètes arides. Hein. Tiens, Facebrooch. Et là, on a commencé à faire des vaisseaux sur Capital Fred. Ça va être très bien. Ok. Lord Diane. Oui, parfait. Tu as une forme de vie ici à analyser. Très bien. Ok. On passe. Ah tiens, quand j'ai lancé les sondes, d'ailleurs, ça donnait quoi au final? Ouais, on n'a pas révélé grand-chose. Hein. Dommage. On a une grosse zone où il n'y a rien qui a été révélé, mais je pense pas qu'il y ait grand-chose dedans, en vrai de vrai. Ça m'étonnerait assez. Niveau invasion, on en est où? On est à du moins 48 par tour, ce qui est pas mal. C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ça devrait quand même aider. Nouvelle technologie de rechercher. Très bien, parfait. Nous avons un nouveau héros à prendre. Et ça, c'est bien. La question qui se pose, c'est on prend qui, du coup? Et bonjour Fred, j'espère que tu vas bien, tu te portes bien, en tout cas aussi bien que possible. Chercheur ou gardien? Je pense que gardien c'est pas mal, on va prendre un gardien. Prendre Crack Blaze, le cube, et je vais te mettre où? Ça je ne sais pas, affecté à un système. Qui c'est qui tire la gueule niveau approbation? Bon, ça reste relativement équivalent. Sandwich, est-ce que tu as quelqu'un? Oui, tu as quelqu'un, Sandwich. Donc non, parce que j'allais dire éventuellement mettre quelqu'un sur le système de Sandwich pour essayer de booster un peu la production d'influence, mais là, ça n'a pas d'intérêt. A priori, ça n'a pas d'intérêt. Bah, je vais mettre sur Oxylate, je pense. Parce que j'aime bien mettre sur... Après, c'est des colonies qui sont déjà relativement pas trop mal en termes de prod. Du coup, est-ce que c'est vraiment pertinent? Je sais pas. Est-ce qu'au contraire, c'est pas plus intéressant de mettre sur un système où pour l'instant il n'y a pas grand monde en termes de prod, etc. pour justement essayer de booster?
Orden, par exemple, il y a quand même beaucoup de colonies. On est en train de récupérer les colonies. Ça va monter. Ça va peut-être permettre de bien produire. Puis je vois qu'en plus, la satisfaction est pas très haute. Ça peut être bien, du coup, peut-être. Ça peut être bien, du coup, peut-être. Je pense que je vais mettre sur Orden. On va mettre sur Orden. Allez, du coup, ça sera Orden. Hop là. C'est un système qui est un peu plus bas que les autres. Donc je me dis que c'est pertinent de lui mettre justement un héros. Parce que ça va permettre de booster les prods. Ce qui est une bonne chose. Plus de bonheur aussi au passage. Hein. Toujours bien. Toujours bien. Et après, bah je sais pas, la défense. Allez, la défense. On va mettre de la production de science, ça c'est bien. Production industrielle aussi, ça c'est bien. Ok. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Nambibi à level up. Nambibi, on te met quoi? Bah peut-être plus de gens aussi, hein, en vrai. Ouais, je pense que plus de gens, c'est bien, hein. Allez, ça sera plus de gens. Ça sera quoi les prochaines percs? Ouais. Globalement, t'as un peu tous les points qu'il fallait pour améliorer les systèmes, quoi. Oxylate. Oxylate. On va commencer par faire la forme de vie. Et on va vouloir commencer à terraformer. Alors, je pourrais terraformer en Arctique. Ce qui va quand même augmenter le bonheur, vu qu'on est relativement bas. Je me dis que c'est une bonne idée. Je me dis que c'est une bonne idée. Je suis fatigué. Ah bah ça. J'espère que du coup ça va aller aujourd'hui. Tu vas pouvoir te reposer un petit peu, en même temps que tu vas passer du temps avec nous. Augmenter l'industrie, c'est toujours une bonne idée. Augmenter l'industrie, c'est toujours une bonne idée. Pop, pop, pop. Sandwich, du coup, tu as fini de faire des choses. Tu as fini de faire des choses et t'as pas grand-chose en termes de structure. Donc, tu vas faire... Oh, on a débloqué les croiseurs. On a débloqué les croiseurs. Ok. Moi, je voudrais l'anti-dissimulation. Je voudrais voir les gens. Parce que c'est pas qui me saoule à être en furtivité, mais il me saoule de ouf d'être en furtivité. On n'a rien pour l'anti-dissimulation? Putain. On n'a encore rien pour l'anti-dissimulation. Oh, quel enfer. Oh, quel enfer. Oh, quel enfer. Ceci dit, là je peux lui mettre grave du déplacement. On aura des flottes qui vont balader très vite. Ce qui, en vrai de vrai, me plaît bien. Me plaît bien. Je pense que ça c'est pas mal. Son rôle c'est quoi? Gardien. Attire les vaisseaux ennemis pour protéger les autres vaisseaux. Ok. Défensive. Moins 50% de durée des activations du même. Ok, d'accord. T'as un rôle de coordinateur. Le rôle de ce vaisseau est de protéger ou d'assister les autres vaisseaux au combat. Ah! Du coup, c'est peut-être pas du tout le meilleur build que j'ai fait. C'est très clairement pas le meilleur build que j'ai fait. C'est un peu con. C'est un peu con. Parce que si le but du jeu, c'est d'assister les autres... ouais, non, mais je pense que je vais quand même le valider comme ça, c'est pas grave. Et le cuirassé. Déjà, on va mettre de la nacelle d'abordage partout. Oui. Oui. Voilà, un peu de bouclier, un peu de défense. Et là, du déplacement.
Ouais, c'est pas trop mal comme déplacement. Toi, c'est concentration. Tu concentres les tirs de la flottille pour éliminer rapidement les vaisseaux. Rôle de chasseur. Le rôle de ce vaisseau est d'infliger des dégâts conséquents à l'ennemi. Ouais, toi, par contre, tu vas envoyer du pâté. Ça se voit et c'est très bien. Du coup, je vais juste modifier un tout petit peu. Parce que toi, tu as 8 de déplacement alors que toi, t'en as 11. Ça sert à rien. Parce que tu vas toujours te déplacer au niveau du vaisseau le plus lent. Et on n'a pas l'anti-dissimulation. Ça me saoule. Moi, j'aimerais bien de l'anti-dissimulation, je vous avoue. Ce serait absolument excellent. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Je ne sais pas quoi lui mettre. Je ne sais pas quoi lui mettre. En vrai, peut-être le drone antipersonnel. Hein. Ça rajoute des gens, on va plus facilement envahir. Ouais, je me dis que c'est peut-être pas trop mal un truc comme ça. Je regarde un peu la gueule des plans si on n'a pas débloqué des emplacements sur certains vaisseaux, mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Très bien. Très bien. Tu peux mettre le truc avec la clé à molette qui le répare après le combat. C'est bien sur un vaisseau défensif. Ouais. Sauf que la plupart du temps, mes vaisseaux ne meurent pas. Donc, du coup, non. Et on a dit cuirassé. À coup de 3. Donc, 3, 6, 9, 12. Et par contre, on est toujours limité à 14 ou pas? Non, 16. Oh yes. Donc 12, 15, tout simplement. Voilà, parfait. Est-ce qu'on a autre chose à faire? Je ne pense pas. Très bien. Très bien, très bien. Votre empire n'a pas assez de troupes pour remplir vos flottes et systèmes planétaires. Ah. Oupsie. Oupsie. On a produit potentiellement un peu trop d'armées. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, baston, tout ça, TKT. Quoi? Voilà, j'avais pas accès à la fusion pour une obscure raison. Très bien. On passe le tour. On passe le tour, on va continuer d'avancer doucement mais sûrement. J'aime bien le fait qu'on est à moins 800 de thunes, mais en fait on a la thune qui fait que monter. J'adore le bureau des taxes. D'ailleurs Fred, hein, ton bureau des taxes est incroyable. Hein. Vraiment, il nous met mais à l'aise financièrement. Oh là là, c'est bien. C'est vraiment très bien. Oh, j'ai pas fait gaffe, il y a eu la fin de la VOD. Du coup on va peut-être couper la VOD au fait. Mine de rien. On va peut-être couper la VOD quand même. Oh, on a trouvé de l'amiantoïde. x2 dégâts de bombardement défensif sur système. Ouais, ok. Objectif raté. Quête coopérative. Ah, elle a été ratée. Dommage. Le temps imparti s'est écoulé avant que les civilisations mineures ne se soient épanouies comme le désirait Isiander, le dirigeant de l'académie. La quête a échoué. Sossade. Vous n'avez pas encore déterminé les intentions de l'académie, mais elle est construite sur un ancien site archéologique qui montre des signes de destruction et de ruine. Quel que soit le cataclysme qui s'y est produit, il concernait certainement les Andless et aussi une autre grande puissance. S'agit-il d'une guerre, d'une expérience imprudente, d'un terrible accident? Ce Lysiander semble le savoir et il ne répond pas à vos appels diplomatiques. Mais il existe un moyen infaillible d'attirer l'attention de l'académie. La brume. Comme le dit le vieux proverbe, c'est le nerf de la guerre. Si vous contrôlez à la fois la voie stellaire et les brumes, par le biais d'une compagnie commerciale puissante, vous obtiendrez certainement une audience avec Isiander. Il faut contrôler la brume pour pouvoir poser les questions. Très bien. Enyotna à level up. Il va produire plus de thunes, justement. Parfait.
Ça, ça bouge très bien. Ici, on fait des vaisseaux. Ok, Starblind ne sait pas quoi faire. Niveau bonheur, t'es pas au max, donc on va mettre un peu de bonheur en plus. Ça peut pas faire de mal. Ça peut pas faire de mal. Niveau flotte, nous avons encore deux corvettes qui ont été produites. Hop, on fait fusionner. Vous avez combien de déplacements? C'est où le déplacement? 10. Ouais, quand même. Oh, ils se déplacent bien, dis donc, les petits cocos, là. Ici... Ici, on va venir terraformer ça. Je pense en aride. Et derrière, peut-être faire deux corvettes de plus, histoire de. Puis je vais payer ça, comme ça, ça se fait en instant. Ça sera très bien. Allez, on passe le tour. J'ai pas coupé la VOD. Et oui, moi je continue là, alors que je pourrais couper la VOD. On va soutenir le parti industrialiste. On va soutenir le parti industrialiste, que voulez-vous? On y croit. De toute façon, il y a de grandes chances que ce parti industrialiste est parti militariste. Ah, je pense que ça va passer. Quoique, il avance bien quand même militariste. Hein. Militariste en prums et industrialiste en second. Ha! C'est chier. Du coup, le parti majoritaire est le parti militariste, contrôlé par Enyotna. Je sais pas si Enyot est là aujourd'hui, mais du coup, savoir que c'est Enyot qui est leader du parti militariste, alors qu'en vrai, j'ai l'impression qu'Enyot est plutôt quelqu'un de très doux, quelqu'un de plutôt pacifiste dans l'âme, c'est un peu ironique. Après, ceci dit, le leader du parti industrialiste, le productivisme à balles, c'est Fred. Et je dois avouer que Fred, c'est pas vraiment celle que je vois le plus comme quelqu'un de productiviste à balles. Étonnamment, je... Ouais, ouais, pareil, c'est un peu bon, voilà. Alors, c'est étonnant, mais non, pas tant que ça, peut-être. Le parti militariste est soutenu par les écologistes et par les religieux. Alors, comment dire? Est-ce que c'est très surprise, finalement, de voir les éco-fascistes avec les militaristes? Mais pas trop. Est-ce que c'est très surprenant de voir les religieux qui sont avec les fascistes? Ouais, pas trop. Surprise, mais pas surprise. Et du côté industrialiste, vous avez été soutenu par les scientistes et par les pacifistes. Pareil, est-ce qu'on est pris pas surprise? Peut-être pas. Bon, sur ce, il va se passer plein de choses, évidemment. Il va se passer plein de choses. En même temps, c'est pas vraiment les idées majoritaires du chat. Hein. Non, non, c'est pas trop les idées majoritaires du chat ici. Très clairement, c'est pas... Si quelqu'un est dans le chat et globalement est militariste, religieux, etc. Ouais, c'est que la personne s'est un peu paumée. Hein. La personne s'est un peu beaucoup paumée. Hein. Très clairement. Très 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 clairement. On a récupéré de la mousseline sur l'Ordiane. C'est bien ça. On en a besoin en plus pour produire nos améliorations de système. C'est cool. Ok. Quête coopérative commencée, préserver l'académie. L'académie et les héros qui affinent leurs compétences peuvent inverser le cours d'une bataille, enrichir des systèmes entiers. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que toutes les civilisations de la galaxie désirent en secret comprendre et contrôler cette puissante institution. Et pour d'autres peuples, l'académie est une insulte, une abomination. Les plus virulents sont les conservateurs du peuple des Vaudiani, car l'on raconte que le dirigeant de l'académie aurait avec eux un différend religieux. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Ces rumeurs semblent fondées, car des flottes renégates d'extrémistes Vaudiani apparaissent dans toute la galaxie afin de s'unir et d'attaquer l'Académie. Si elles parviennent à leur fin, cet endroit et son fondateur seront sans doute détruits, et leur secret sera perdu.
D'ici 40 tours, débarrasser la galaxie des 9 flottes Vaudiani vengeresse. Ouais, on verra. Oh merde! Ça c'est nul. C'est le peuple de la faille qui a récupéré la flotte de guerre de l'académie. Ça c'est con. Ça c'est con. Ça c'est un peu gênant. C'était même un peu beaucoup gênant. Bon. Tant pis. On va venir espérer faire tomber sa flotte à temps. Parce qu'après, j'ai du monde hein, quand même. Donc, en vrai, ça va aller. Mais ouais. Ouais. Une partie de moi se dit, est-ce que les nacelles d'abordage contre la... est-ce que ça marche? Je sais pas. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout, en vrai. Je sais pas. J'ai pas la production de science infinie. J'ai que la production de thunes infinie. Dommage. Et ici, on a combien de troupes? Très clairement pas assez. Mais on a des gens qui viennent en renfort sous le TM, très bien. Ceci dit, on va faire le tchoutchoum, ma fille. Oh, le tchoutchoum, oh, t'es trop belle. Oh, t'es trop belle. Oh, je t'aime, toi. On va faire la FK ici, du coup, quand même, on va s'arrêter. Et bonjour Lily, veuillez agréer les Sista, les potos, mes sincères coucoutations distinguèches. Parfait, tout pareil. J'espère que tu vas bien et que tu te portes aussi bien que possible, en tout cas. Tu arrives sur la fin de VOD. Donc du coup, petite fougère de YouTube, on s'arrête là pour cette fois-ci. On a quand même relativement bien avancé. Il faut pas que j'oublie de faire un truc au prochain tour. Hop, c'est de venir ici acheter des héros. On va vouloir acheter des héros. Très clairement, ça va être important. De prendre des héros qui vont nous booster du point de vue de nos systèmes. Genre là, Nelly Sira Nimpere, t'as l'air incroyable. Je vais t'acheter. Vous savez quoi, je vais le faire maintenant. Toi pareil, là, Ellie Leandra, je t'achète instant. Là, pourquoi pas celui-là, a l'air pas trop mal. On va regarder votre classe, parce que par exemple, ici, ah non, attends, c'est pas votre classe, c'est quoi ça? Les héros par affinité. Ah, c'est pas votre classe du tout. Moi, c'est ça que je veux. Voilà, c'est ça que je veux. Là, il y a des héros qui vont m'intéresser plus que d'autres, parce que par exemple, chercheur, je m'en tape un peu les reins. Conseiller, je m'en tape un peu les reins. Chercheur, à nouveau... En fait, il faut essayer de trouver les deux stats ici en majoritaire. Plus que... Ouais, la coupure VOD, tout ça, oui. Plaît-il? Qu'est-ce que... voyez ça, typiquement. Risto Libera. Toi, t'es bien. Je vais payer avec de l'influence. God. God, évidemment. Fais l'outiller, c'est ton moment. C'est pas mal. Fort. C'est pas mal. Et c'est pas Olivier. Dominique, c'est pas mal. Wood, c'est pas mal. Là, je vais un peu faire une razzia sur les héros. Pendant que j'y pense, parce qu'après, j'y penserai plus, ça sera la merde. Donc là, je fais ça viteuf, et après, je coupe la VOD pour de vrai. Non, ça, c'est pas intéressant, outre mesure. Là, éventuellement, mais c'est pas transcendant parce qu'il a quand même pas mal de stats ici. Bon après, c'est quand même pas si mal que ça. Allez, on va le prendre. Après, je pense qu'on s'en bat un peu les reins. Donc là, j'ai récupéré plein de héros. Voilà, ça c'est bien, mais on s'en occupe la fois d'après. Petite fougère de YouTube, on s'arrête là-dessus. On a quand même fait un bon épisode de VOD. On avance dans notre guerre, on avance dans nos explorations, on avance dans nos constructions, on avance dans nos recherches.
Donc, c'est pas trop mal. Très franchement, c'est pas trop mal. Là, le but du jeu, ça va être de mettre globalement des héros un petit peu dans tous nos systèmes. Comme ça, on va bien les renforcer. Ils vont pouvoir devenir un pion puissant. Ce qui va être pas mal, parce que les héros vont booster les productions, vont booster les revenus, vont booster les sciences, vont booster la production, etc. Bref, ça va être cool. Potentiellement, on va finir par faire tomber ici Shadei, hein, quand même. Mais avant de récupérer Shadei, j'aimerais bien récupérer Karius et Volans, histoire d'être un peu à l'aise quand même. Bref, anyway, petite touche de YouTube, des bisous, à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao, ciao.